Après quelques 3 heures de vol, nous avons atterri à Antalya, sur les côtes de la Méditerranée. Antalya est une ville de plus de 700 000 habitants, créée au 2e siècle avant Jésus-Christ. Dans la vieille ville, les pensions sont nombreuses. Ce sont souvent de petits hôtels avec un jardin intérieur. Et là, nous allons suivre la sélection du guide de Ruta. Notre choix est fait. Les chambres sont modestes, mais le jardin est très sympathique. Là, nous sommes au petit matin. Il a fait chaud cette nuit. Et sur les bancs, dans le jardin, des employés dorment encore à la belle étoile. Dans le petit port d'Antalya, nous embarquons à bord d'une goélette pour une mini-croisière d'une journée. Avec nous, il y a surtout de jeunes Turcs qui viennent profiter de la mer et du soleil pour la journée. Thank you.
On traverse la ville en minibus, dans des rues poussiéreuses, plombées par le soleil, et où les travaux semblent permanents. Après une descente d'environ 50 mètres dans une sorte de gigantesque excavation naturelle, nous nous retrouvons entourés de rivières et de cascades. C'est un dimanche et les Turcs se retrouvent ici pour un pique-nique familial. À Dunden Selasi, nous sommes pratiquement les seuls touristes étrangers. Dans le minibus, l'affichage des arrêts se fait manuellement, au fur et à mesure des parcours. Ici, à la station de taxi, c'est l'heure de la sieste. Dans le vieux Antalya, au petit matin, les routards partent en excursion.
Nous repartons pour Kusulu, c'est l'Asie, un autre site paradisiaque. Après une descente de près de 100 mètres de haut, ici on se retrouve vraiment dans un petit paradis, pas trop fréquenté. Le paysage a quasiment gardé sa virginité du premier jour. Après une nuit passée dans un bus local, nous arrivons à Gorem, en Anatolie centrale, au nord-est d'Antalya, en pleine Cappadoce. À l'aube, la montgolfière, comme un oiseau étrange, traverse le paysage pour des touristes privilégiés. On aperçoit ici au loin un village troglodyte, au pied duquel petit à petit les villageois sont installés dans des maisons plus traditionnelles. Au milieu des petites vallées, on y trouve toutes sortes de cultures, dont des cultures potagères. Mais on y trouve aussi de la vigne et actuellement nous sommes en pleine période des abricotiers qui sont une culture importante de cette région. C'est ces mêmes abricots qu'on verra sécher sur les terrasses et finir sur nos tables. De ces paysages parfois incroyables, il y a un terrain volcanique très tendre qui a subi une érosion intense. Ici, on découvre au milieu des vergers une petite chapelle byzantine. Il y a de nombreuses chapelles troglodytes et byzantines dans la région. Ici, on voit un
un petit cimetière au pied d'un village troglodyte. Avec deux personnes, de paysannes sans doute, qui se rendent au champ. Et au loin, on aperçoit un minaret. La roche a été perforée comme un gruyère. Et tout ça correspondait à des habitations. On a loué une voiture pour la journée, pour découvrir un peu plus les environs. Une paysanne sans doute qui vient on ne sait où. Dans un paysage toujours aussi étonnant, avec des couleurs changeantes suivant la roche ou suivant la lumière. Avec des formes que l'on croirait sculptées. Ah, cet animal semble avoir un drôle de chapeau sur la tête. C'est ce qu'on appelle des cheminées de fées. Et il y en a dans la région qui peuvent faire jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ça ressemble aussi un petit peu à des gros champignons. Là, on a un autre exemple avec la roche tendre en blanc et la roche dure en foncé qui protège ce qui est en dessous et qui est un petit peu en forme de vague ici. Là, on a la pierre au sommet qui a protégé toute la partie en dessous. Pierre dure. Dans ce paysage clairsemé de vergers, on trouve des formes tout à fait étonnantes. On se croirait dans un décor à la Disney. Et s'il y a des femmes qui viennent de faire la récolte d'abricots et qui l'emmènent dans une charrette pour les vendre. Vous pouvez parler? Oui. Oui. Nous avons rencontré toute cette famille dans une habitation troglodyte. On essaye avec notre anglais sommaire de communiquer. Oh, dis donc, tu fais pas turc, toi. Hein? C'est quoi? C'est pas de la pistache en fait, ça. Hein? What is your name? Yeah, my name is Khaled. Elle est. And your, is it your sisters? No, she is not. Your name is Hila. Ah, ok, Hila. T'es où toi? Est-ce qu'il y a des mouches? Décidément, la fille
a décidé de ne pas vouloir se laisser filmer. Ici, nous sommes dans la petite pièce, une espèce de salon. Là encore, la fille nous fait faux bond. Ok. Il a fallu descendre environ 2 km à pied dans cette petite vallée pour retrouver ces femmes en train d'effectuer la récolte des abricots. Au premier plan, on voit un pistachier. Nous sommes en pleine récolte et ici on gaule les abricots comme chez nous on gaule les noix. Dans cette vallée qui semble inaccessible, il faut bien pourtant que l'on charge la récolte pour la remonter sur la route qui est au-dessus. Un personnage apparaît avec une chaîne, puis un âne et les abricots qui sont chargés et le mari qui pousse derrière. À l'entrée de Gorem, dans une pièce minuscule, des panneaux publicitaires sont affichés. Ça concerne des pensions, des petits hôtels de la région. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'office du tourisme. Mais là, il faut se servir soi-même. Nous, on va choisir le Melek Pension. Un petit hôtel troglodyte, en partie troglodyte et avec une construction traditionnelle. Il est tenu par des Hollandais qui se sont installés dans la région il y a pas mal d'années. À proximité de notre pension, il y a un petit atelier de fabrication de tapis. Ici, nous sommes dans la partie teinture, avec les écheveaux au-dessus de gros chaudrons.
dans lequel on a fait chauffer des colorants végétaux. Dans l'atelier, les ouvrières travaillent sur des tapis avec des métiers qui sont assez rudimentaires. Et reproduisent des dessins traditionnels. Mais l'activité qui règne ici est surtout faite pour justifier par rapport aux touristes la vente de tapis dans une grande boutique qui est à côté. D'ailleurs, il y a plus de métiers que d'ouvrières. Ah, je vous présente notre hôtel troglodyte avec l'entrée de notre chambre. Creusée donc dans la roche blanche. Et en face, on a une paroi avec des ouvertures troglodytes. Ici, nous assistons au ferrage d'un cheval. Et il faut bien être trois pour l'opération. Là, nous sommes montés au-dessus de la ville de Gorhem. Au premier plan, on avait un superbe abricot. On a une vue panoramique sur l'ensemble de la ville. Avec une espèce de mélange entre des habitations conventionnelles et parsemées d'habitations troglodytes. Au loin ce paysage typique. Ça ressemble parfois à de la neige ou à de gigantesques crèmes glacées qui sont plantées là dans le paysage. Avec au milieu des cultures et des vergers. Voilà deux chiens qui nous suivent sur un chemin poussiéreux. Et au loin, on vient de découvrir une scène de la vie au champ avec des moissons qui sont en train de se faire et on va s'approcher. Là, tout le monde est au travail, il y a un tracteur avec une courroie reliée à la batteuse.
Nous allons faire une petite visite de la chapelle Saint-Barbara du XIe siècle. C'est une chapelle byzantine. Tu gardes moi le rice et la plante de la Rose de Christ est Roman Christianity. Il y a des Greek letters, tu peux voir. Some in front of the head. This is means fish in Greek language. So if you put all letters, like this one here, it's Helen and Constantine, Christ. This is also Theodore. He is the person who. Là, nous allons découvrir un monastère troglodyte qui avait été construit sur 6 ou 7 niveaux. Prix un peu qui leur convient. D'accord. Mmh. Et on vend aux touristes ici pendant la saison. Nous, on est ouvert l'hiver aussi, fourni de tapis aussi. Et il essaye de ramasser les tapis dans toute le Anatolie. Et vous pensez retourner en France un petit jour? Oui. En vacances? Retourner en vacances ou bien pour y habiter aussi. Les routards devant la gare routière de Gorême se préparent à un long voyage en direction la plupart du temps d'Istanbul ou d'Antalya. Doldur abi de. Yaptırsın değil mi? Ya, aramızda. Hayır aramızda değil. Abi söyle ben su doluyorum diye. Var onlardan da.
Stranger, careless of the danger there within his eyes.